教えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de Bleach. Alors, si vous regardez, hein, qu'est-ce que vous voyez? Bleach, mauvaise nouvelle pour les fans français de l'anime. La colère gronde sur Twitter, alors que les fans d'anime sont de plus en plus impatients de pouvoir découvrir la conclusion de Bleach. Enfin, conclusion, mais rappelez-vous qu'il y a quand même les light novels, et il y a quand même l'arc enfer, donc c'est pas la conclusion. Enfin, conclusion peut-être des 74 tomes, tu vois, mais là c'est une autre histoire. Il ne sera pas facilement disponible chez nous, car malgré l'approche imminente de la sortie internationale du nouvel arc, The Thousand Year Blood War, la guerre sanglante millénaire, nous n'avons toujours pas de date de sortie en France. Et en dépit d'eux et tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils disaient? Le mois d'octobre était particulièrement attendu par les fans d'anime, car de nombreux titres doivent faire leur sortie en ce début d'automne 2022. Ah bah t'as la plein, hein, t'as Blue Lock, la suite de Spy X Family, bon... My Hero Academia, voilà, hein, en plus c'est écrit ici. Mais c'était surtout Bleach. Alors que la suite de l'anime Bleach est prévue pour faire ses débuts le 10 octobre au Japon, donc en fait il passera tous les lundis, une nouvelle bande-annonce, voilà, partagée, nous donne un aperçu supplémentaire. Donc ça veut dire que ça devrait être demain. Et que tandis l'été, voilà, les rumeurs laissaient à penser que Bleach serait disponible sur Disney+. Et ils ont eu la confirmation que la plateforme de streaming de Disney allait bien tenter de faire concurrence à Netflix sur ce marché. La question ensuite, voilà, c'est toute la, voilà, hein, Disney, ils vont proposer, la question était de savoir est-ce qu'ils proposent un simulcast. Donc c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, ça sort le lundi à 15h au Japon, on va dire à 19h du même jour, c'est traduit en français, tu vois. Et là, ils disent, non, 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 quand tu regardes le planning des sorties françaises sur la plateforme de Disney+, y'a rien qui disent sur Bleach, ils disent rien. Ah là 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 là. Disney+ qui annonce Bleach, mais pas en simulcast. Après presque 11 ans d'attente pour les fans de la honte. Hein, on pourrait dire, bon, et quelque part, moi, tu vois, je suis cadre chez eux. Je dis, attends, les gars, vous avez attendu 11 ans. Vous pouvez bien attendre un an de plus. Hein, quelque part. Et après, vous allez aussi payer. Vous avez attendu et en plus, vous allez payer. Bon, il reste 2 jours avant, hein, malgré ils font les morts. Donc hein, voilà le fameux calendrier. Hein. Voilà, le mois des frissons est lancé. Donc là, normalement c'est le calendrier d'octobre et ça passe le 10, Bleach. Et le 17. Et le 21. Enfin le 24. Non, on n'a rien. Il n'y a rien du tout. Il manque une série le 10 octobre, là. ouais, c'est ce qu'on disait. Hein. Il manque une série, comme par hasard, une série Bleach. Hein, comme ça, on la place comme ça. Ouais, ouais, tu parles. En fait, vous achetez les droits d'auteur juste pour ne pas faire de simulcast. En gros, la France, le pays qui consomme le plus de mangas en dehors du Japon, n'a pas de simulcast pour Bleach. Mais c'est une blague, Disney, ou quoi? C'est une blague? Vous êtes des criminels, Disney. Vous êtes le criminel de la Soul Society. Eh oui, vous êtes au niveau de Aizen, du 8ème Kenpachi et tout ça. Là, quelque part. Qu'est-ce qui... C'est vrai, en plus, là, il a une très bonne argumentation. Pourquoi ils le mettent pas? Ils ont tout à gagner. Parce que là, oui, le mois des frissons est lancé, le mois des indignations même. J'appelle toute la communauté française Bleach et européenne à partager ce Twitch avec Free Bleach Simulcast. On a attendu 11 ans pour Bleach, bon 10, 11 ans plutôt, 11 ans même. On va dire 11 ans et demi, parce que rappelez-vous que le dernier épisode de Bleach, je crois que c'était le 27 février 2022. Enfin, 2012 plutôt. Hein. Voilà. Tout le monde va finir parler sur les, sur les sites de druides. Après, il y a Disney, ils font semblant de ne pas comprendre. Voilà. Non mais après, en fait, c'est ça que j'arrive pas à saisir. C'est que tu vois, moi c'est vrai que souvent on dit il y a la colère. D'ailleurs ça me rappelle ce que disait Edouard Philippe hein, au mardi de l'ESSEC. On essaye toujours de pousser le bouchon un peu plus loin pour savoir ce que les gens vont accepter en fait. Il est, voilà. Mais là c'est ça, c'est la colère elle gronde. Moi je dis, j'ai pas besoin de m'énerver. Hein. Moi je vais, qu'on soit clair, hein, je ne critique pas ceux qui s'énervent. Ils ont raison, parce qu'au moins comme ça, quand arrivera le jour du jugement... de certains points de vue, de certaines choses,
On dira, ben, vous voyez qu'il y a eu ça, il y a eu la colère. Il y a eu des choses qui ont été dites. Ça ne veut pas dire qu'il y a... C'est-à-dire qu'il y a eu de la parlotte. Il y a eu du recensement des doléances, quoi. Il y a eu des doléances, et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, forcément, il y a eu des gens qui étaient mécontents. Et c'est bien qu'il y en ait. Moi, je ne vais pas aller dire des trucs comme ça. Moi, je fais la vidéo pour vous informer que oui, je trouve que, franchement, c'est chiant. Voilà, clairement, c'est chiant. Oui. Mais vous savez comment on dit, hein? Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'énerver? Non. Non. Et vous savez pourquoi, je pense, hein, bien évidemment. Donc voilà, je termine la vidéo ici, hein. C'est vraiment pour parler là qu'il y a du foutage de gueule. Vraiment du foutage de gueule. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis en simulcast. Je ne saisis pas l'idée qu'il y a derrière, en fait. C'est quoi le raisonnement? Ils disent que les gens, ils vont aller payer l'abonnement et que maintenant ils ont payé, on les emmerde. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de respect du consommateur? Peut-être. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, je me dis que de toute façon, c'est triste pour ceux qui, voilà, avaient pris un abonnement sur Disney+ en espérant regarder Bleach. Mais là, non. Ça veut dire, allez vous faire foutre. On les mettra pas. Parce que là, le calendrier, il y est. On verra s'ils le changent, peut-être qu'ils ont gardé ça sous le coude, tu vois. Au cas où les gens étaient vraiment en colère, ils ont dit, bon, on va le mettre. On se disait que peut-être on n'allait pas le mettre parce que ça nous prenait du temps, mais on va le faire. Et voilà. Donc voilà, je termine la vidéo ici. Hein. Si vous l'avez aimé ou détesté d'ailleurs, si vous l'avez détesté, dites-moi pourquoi. Peut-être que je tiendrai compte de vos remarques. On ne sait jamais. Et si vous l'avez aimé, dites-moi aussi pourquoi. C'était Moedra, je vous dis salut. Et à plus pour une prochaine vidéo. Tch.